Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Riquebuche, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique? Eh bien parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale avec les TCC, la méthode ACT et puis d'autres outils plus énergétiques, plus spirituels, on va dire, comme la radiesthésie ou les libérations karmiques. Donc voilà, je m'amuse à apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir vous guider au mieux, trouver l'outil qui permettra d'obtenir une libération profonde de votre mal-être, puisque ma mission c'est de vous aider, vous les femmes, à trouver la racine de ce mal-être qui vous empêche finalement de faire la paix avec votre corps, pardon, et la nourriture. Donc ça c'est ma mission. Si d'ores et déjà cette approche holistique, si ma démarche thérapeutique vous parle, vous avez envie d'en savoir plus ou vous pensez déjà que c'est la bonne solution pour vous aider, je vous invite à remplir le questionnaire. Vous retrouverez donc le lien dans la description de la vidéo juste en dessous pour demander votre appel libération. C'est un appel gratuit de 30 minutes où on fait le point sur votre situation actuelle, sur vos besoins et on discute ensemble et bien dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide au travers de mon accompagnement haut de gamme ou de mes programmes en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation intuitive et de perte de poids, puisque c'est très souvent une question qui m'est posée. Mais avant même de parler de tout ça, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous pourrez recevoir les notifications qui vous avertiront dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Le titre donc de cette vidéo, c'est « L'alimentation intuitive est-elle la solution pour perdre du poids ?» Alors, comme à l'école, comme en philo, je vais axer mon argumentation avec d'abord un oui et ensuite un non, puisqu'il y a toujours, c'est jamais ou tout blanc ou tout noir, tout est en nuance, donc c'est important pour moi de vous habituer, en tout cas c'est ma démarche, de vous habituer à voir la vie tout en nuance pour pouvoir faire votre choix conscient à vous, le choix à vous. Donc, première chose, oui, l'alimentation intuitive peut vous aider à perdre du poids. Pourquoi? Eh bien parce que cette alimentation, en tout cas sa définition, ce qu'elle prône, c'est l'adaptation grâce aux signaux de faim et de satiété de notre corps. C'est de pouvoir donc s'adapter à nos besoins caloriques et nos besoins aussi en termes nutritionnels qualitatifs, on va dire, hein, en termes de nutriments. C'est de pouvoir s'adapter donc au jour le jour, au quotidien, donc à ses besoins réels du corps. En ce sens, on peut donc perdre du poids si poids il y avait à perdre. Ça, c'est important puisque si on est déjà sans poids de forme, si on n'a jamais fait un poids inférieur, le fait de manger selon ses besoins, ça ne fera juste que, entre guillemets, garder son poids stable, ce qui est déjà une très très bonne chose, bien sûr. Mais voilà, ça va vous permettre de perdre du poids si antérieurement vous mangiez plus que vos besoins. Arrivera au bout d'un moment où du coup il y aura ce palier de stabilisation. C'est la deuxième raison pour laquelle l'alimentation intuitive peut vous faire perdre du poids, c'est qu'elle va vous apprendre à être plus souple avec vous-même et donc avec aussi votre corps et votre image corporelle de fil en aiguille, ce qui veut dire que le corps ne se sentira plus agressé par une forme de restriction physique ou cognitive et il n'aura donc plus besoin de se protéger en prenant du poids par exemple. On en arrive maintenant à la période, au passage, au développement du non, bien évidemment. Donc, l'alimentation intuitive, dans certains cas, ne vous fera pas perdre de poids. Je l'ai déjà un petit peu dit dans la première partie, puisque tout dépend, et bien évidemment, de votre poids de base et de votre alimentation de base, si vous aviez tendance à dépasser ou non vos besoins caloriques. Pour d'autres raisons, c'est que si vous réalisez cette alimentation, si vous avez envie d'être dans cette démarche intuitive, si vous faites dans l'optique de perdre du poids, vous resterez alors fixé, figé hein, sur ce poids, sur le poids qui est indiqué sur la balance, sur cette perte de poids. Et donc, vous allez rester figé dans vos vieux schémas. Et le cerveau aura toujours peur de prendre du poids. En tout cas, il sera toujours fixé sur « je dois perdre du poids, je dois perdre du poids, je dois perdre du poids ». Et donc, sur le fait qu'il a du poids en trop. Et donc, quand il est fixé sur un problème,
Le problème, prend encore plus d'ampleur. Ça devient vraiment la réalité et donc ça ne fait que s'amplifier. Donc ça va le maintenir dans des pensées, dans des croyances négatives, dans des émotions négatives qui vont en fait vous permettre, vous garder en fait dans un cercle vicieux, vous garder dans vos vieux schémas répétitifs sans possibilité d'en sortir en ayant une autre perception des choses. Et donc du coup, à cela même, en fait, finalement, on sort en fait du cadre de l'alimentation intuitive. Donc finalement, si on a vraiment envie de se lancer dans cette démarche qui est tout à fait honorable, bien sûr, il faut vraiment faire attention à pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Encore une fois, c'est toujours une question de perception. La perte de poids, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera, sans mauvais jeu de mots, la cerise sur le gâteau, encore une fois, si poids il y a à perdre. Donc on se reconnecte d'abord à soi, on se reconnecte d'abord à son corps pour pouvoir agir. Et c'est seulement après, comme ça on peut agir correctement, c'est seulement après que perte de poids il peut y avoir si le corps sent qu'il a besoin de se délester justement de ce poids en trop, si le message est passé finalement, puisque tout est une question de messages, de signaux que le corps nous envoie. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir agir consciemment et de savoir pourquoi encore une fois vous faites les choses. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée. Pensez à partager et à liker la vidéo, ça m'aidera à rendre cette vidéo plus visible, à faire connaître mon travail auprès de femmes qui pourraient avoir besoin de moi. Donc, merci d'avance pour votre aide et votre soutien et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!